Impunité zéro en marche. Kabila na batuna, il faut bako daboloko. Ainsi nous saluons en fait l'arrestation du ministre Oyo ya finance ya Kimbuta. Et kali Kimbuta. Tozo senga Kimbuta na batuna ye na ba Kabila bango nyonso bako daboloko. Impunité zéro. Nango tozo senga peuple congolais nyonso. Atele manasima ya mwana mboka souteni mwana mboka Félix Tshisekedi oyo aza kolinga kokanga ba criminel nyonso totelema po ete mboka na biso kende liboso. Mesdames et messieurs, toujours à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, dernier virage de votre émission. Encore moi un plaisir immense de vous retrouver dans cette émission pour vous qui nous suivez partout à travers le monde. Kinshasa, la capitale, la Boyebi, la RDC. Nous sommes ici pour la palper réalité, tout le bien, réalité sans trucage. Eh bien, pour la Bino, pour la informer Bino, Boyebi, la diaspora, la poteau, parfois les informations que nous recevons de Kinshasa, de la RDC, les informations, moi, les correctités. C'est pourquoi ils arrivent vraiment impérieux à ressentir le déplacement sur place, voir ce qui se passe à Awa, Boyebi, le président Félix Tshisekedi, les nouveaux présidents de la RDC qui commencent en tout cas. Mouke comprendre en tout cas ma fonction naïe et puis qu'on y ait un peu tout le bas pouvoir à Félix, comment est-ce que la population est allée qu'on percevoir en haut sur place par rapport à l'année de Yogara Kuna Nakongo. Mais aujourd'hui, vraiment plaisir à mener comme toujours, il y a qu'on recevoir pour la Bino. Ce rejoignement Mouke, on a déjà le fou de Fayoulou, on l'appelle fou de Fayoulou. Avec sa tenue assez spéciale, je crois que va tout. Yebi Awa, vraiment très connu, fou de Fayoulou. Pavi Kinata Liange, Oyo, en tout cas, qui ne parle que, qui ne jure que dans Kombo. Il y a Martin Fayoulou, mais tu peux comprendre, il y a qu'on découvre la 4e émission, la mission à l'élo, motivation à Izanini, et puis qu'on aborde actualité politique, question à Liboso, dossier à Liboso, tu parles sur la Mouka, Yebi plateforme. Qui a été créé donc à Genève, qui a vu le jour à Genève, Oyo et désigné qui Martin Fayoulou comme candidat unique. Donc il y a opposition à l'élection présidentielle de l'Aki le 30 décembre 2018. La Mouka aujourd'hui qui en tout cas, comme je l'avais déjà dit à Bruxelles, au bord de l'éclatement, Boulanda qui déclaration récente, il y a président Moïse Katumbi, qui, trop le bas, en d'autres termes, ne reconnaît plus. Combat, il y a Fayoulou, Oyo, il y a recherche, donc il y a vérité des jeunes, tu peux vous comprendre avec Pavi Kinata, donc fou de Fayoulou, à venir donc il y a la Mouka, et puis Fayoulou, est-ce que Azali qu'on envisageait quoi pour la suite, il y a combat, il y a tout le temps, on a gagné la et puis aussi pourquoi pas, comme un peu, tout le ce qui rapprochement, mon qu'ils allaient possible entre président Félix Tshisekedi qui est président de la République, là Martin Fayoulou, est-ce qu'il y a un rapprochement pourquoi pas pour l'intérêt donc supérieur à Mboka Nabiso. Et puis troisième point, pour parler sur le soulèvement populaire, je crois qu'il y a diaspora, partout on parle toujours de l'article 64, peuple fois Bima, il faut que Bima pour que qu'on renverse la situation article 64, les allées qu'on prévoit dans la constitution Nabiso, mais est-ce qu'il est possible dans se comporter à la carte à Congo, à la commune de Kinshasa, sur le vent populaire, le Bamana Poto, ce n'est pas Ningé, le Bamaka, Bazar, vraiment la préoccupation, Moussousou. Donc, bien qu'on aborde dans la carte émission d'Abisso avec Pavi Kinata. Bon, d'abord, Pavi. Moi, t'es papa. Les policiers, bah, même, mi balé, le colo, mi balé, on te transporte à cette terre. Et, ton bêtement, 25 matraques, wana ya qui va au bête en tout le monde. Ce qui nani nana la qui soit cicatrice et tigala en tout le monde. Et voilà, après ça, on a quand même continué la lutte. On a connu des enlèvements après cette période-là. On a enlevé ma fille, Nabiso le roi Béni Bilengue. On a enlevé plusieurs militants. Marie-Joël, Malévaillé. Et on a enlevé plusieurs militants. 2018 et hier. On a fait ce qu'on pouvait faire, on a fait beaucoup. J'ai une action tellement belle que ça, je ne saurais pas tout épingler, mais quand même, l'une des dernières actions, c'est qui Metz auto-organisé le même 19 septembre, en mémoire à la victime, il y a les 16, je crois que sur les réseaux sociaux, les Aramingi, président Fayoulou était là, il nous a fait honneur d'être là. Et puis, ceux qui n'attendent la Kandenge, les Congolais, les Nyokwamaka. Papa? Vous, peut-être, vous avez l'occasion de vivre en Europe, messieurs. Nous vivons ici.
Ce qui congolais a codé fallu payer 200 francs, où est la dignité de l'homme congolais? J'ai bien dit tantôt dans ma représentation, mon combat c'est restituer en fait la dignité à l'homme congolais. Cette dignité qui a été bannie au pied par Kabila et ses gens. Cette dignité qui a été foulée au pied par les criminels de 2002 jusqu'en 2018, ici sous le régime de Kabila. En fait, mon combat consiste en fait à arracher en fait le Congo entre les mains des occupants. Le Congo est pris en otage. Parce que Kabila, si te donne l'argent comme ça, donc papa, au moningai, boroloba, eh, pas vu combien envoûté. Bon, on a la même main d'été. Tchakou, t'as la même main de oh, bisogne surtout tant ou abandi presse, communication, bisogne surtout ouh. Hein? Mais les lots battent comment ben tchakou? Félix, maman, ça là, c'est comme s'il est envoûté. Donc, oh, y'a basse ou t'es. Elle, là, allez, Zakala, y'a Kabila. Kabila, y'a Zakala, y'a politique. Kabila za zakala poli. Oh ba gratsel, oh to ba nokulia ba pizza to sakana ngolo kwa to bwaka na ba poubelle. Il faut toujours le peuple à s'élever. Peuple atika kolala, atika koloba ok non, to komesa na non, to komesa na te, to komesa na pasi te boye ba ke soki bo telemite, bo tambolite, 5 ans ya Félix et ozana ngo nul. Merci la résistance pacifique. Toujours en mode Fayulu à la Fayulu. Mbote mikolo komika à la Fayulu. Bana poto, tango mona muto, avant pese bonjour, pese à la Fayulu. Les petits enfants, à la Fayulu! À la Fayulu! À la Fayulu! Idéologie, ça, Fayulu!